Coucou tout le monde, c'est CocoLiner, back sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je veux faire depuis hyper longtemps. Donc j'arrive clairement après tout le monde en fait, l'expectation versus reality, ça se fait plus du tout. J'avais vraiment envie de vous en faire un en rapport avec YouTube en fait, parce que je trouve ça hyper marrant. C'est vrai que en fait être youtubeuse c'est pas forcément exactement la même chose que ce qu'on peut voir face caméra. Et il y a pas mal de gros fails. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer un peu les dessous de YouTube, à quoi ça ressemble vraiment. Et j'espère que vous allez aimer. Et c'est parti. Tiens, si je tournais une vidéo, qu'est-ce que je pourrais faire? Allez, un expectation versus reality, ça fait longtemps. Bon bah c'est parti! Bon, ça fait 2 semaines que j'ai pas tourné de vidéo. Faut absolument que j'en tourne une là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Idée de vidéo à faire. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est nul ça, y'a tout le monde qui fait ça. Ouais, faut que je tourne une vidéo là, t'as pas une idée? Je sais! Je vais faire un expectation versus reality. Parfait, enfin trouvé. Mais je vais sur quoi? Bon, on va faire sur YouTube. Allez, go! Donc faut que je trouve des idées maintenant. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? On va faire quoi? Ça. Ok. Ah ouais, ça aussi. Bon, c'est parti. Hop. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est CocoLiner, back sur YouTube. Et bah c'est bon. Reste plus qu'à tourner. Super. Bah non du coup. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un expectation versus reality. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais vous en faire un. J'espère vraiment que ça va vous plaire, je travaille dessus depuis hyper longtemps. Et j'avais vraiment envie de faire quelque chose de dingue. Bon bah c'est parti. Bah voilà. D'ailleurs j'espère que vous aimez bien mon nouveau fond. Voilà, je trouve ça assez clean, assez bien. Donc c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez organisé dans la vie de tous les jours, donc je trouve que ça me correspond pas mal. Oh non, c'est une blague. Bon bah. Hein. Bon bah voilà. Il est venu connu. C'est une blague. Non 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 non, c'est une blague. Oh non mais ça m'a coûté 100 balles. Ok, donc je commence avec ça. Ok. Donc vous trouvez pas que les youtubeurs, on a toujours l'impression qu'ils savent exactement quoi faire comme vidéo au bon moment? Moi je trouve que oui, et franchement bah c'est un peu compliqué parce qu'en vrai c'est pas du tout ça. Moi je sais personnellement, je vais sur internet des fois, je regarde un peu les idées que je pourrais avoir, ce que les autres youtubeurs font aussi, parce que c'est cool de s'inspirer un peu des autres, mais pas que. Donc voilà, vous savez, quand on est youtubeuse en fait c'est pas vraiment comme on pourrait le croire, il y a pas tout qui est rose, pas tout est magnifique, et c'est vrai que c'est un peu dur d'imaginer parce que... Ouais, c'est un petit peu dur d'imaginer parce que finalement quand on voit ça juste devant la caméra c'est un petit peu... Quoi, qu'est-ce que je disais déjà? Ouais, donc en fait, parce que c'est vrai que quand vous voyez juste devant la caméra, c'est un peu dur d'imaginer ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. Non mais c'est une blague. Il est où? Oh non mais c'est une blague, c'était juste un point. Bon bref, où est-ce que j'en étais? Donc voilà, c'est vrai que c'était un petit peu dur de... Et donc, non mais c'est une blague la musique. Eh oh, je tourne. Allô. Mais c'est vrai que c'est pas si facile qu'on pourrait le croire. Parce que même si YouTube c'est avant tout une passion, faut vraiment arriver à le caler dans son emploi du temps. Quand t'es un terminal comme moi et que t'as ton bac qui arrive bientôt, faut vraiment arriver à s'organiser, à trouver des idées. Donc par exemple pour ça j'ai des amis qui m'aident, ma famille aussi, qui me donnent des idées de ce qu'ils pourraient aimer voir sur YouTube et ce que du coup je pourrais tourner pour essayer de vous satisfaire un maximum. Donc en fait chaque jour j'ai plein de gens qui m'aident à trouver des idées parce que c'est...
Donc en fait, chaque jour j'ai plein... Donc en fait j'ai vraiment plein de gens qui me donnent des idées de vidéos parce que c'est vrai que c'est un peu dur d'avoir toujours plein d'idées pour faire des vidéos assez régulièrement et c'est... Ah ! Mais c'est vrai que... Ah mais je peux pas dire une phrase sans me tromper en fait. En ce qui concerne ce t-shirt, il m'a coûté 15,99€. Donc c'est vraiment une affaire, genre faut vraiment que vous ayez dans ce magasin. C'est super cool, vous avez plein de prix hyper abordables, donc vraiment c'est super. Bon alors ce t-shirt là, il m'a coûté... Combien il m'a coûté déjà? J'ai coupé l'étiquette. Bah il m'a coûté à peu près... je sais pas moi. Prix, t-shirt, Levi's. Ouais bon il m'a coûté... il m'a coûté entre 5 et 20 euros à peu près. Question suivante, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Bon, alors, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'étais vraiment à une phase de ma vie où je savais pas trop quoi faire, j'étais un peu perdue, puis j'étais pas très sûre de moi, j'avais vraiment pas beaucoup confiance en moi, clairement. Et c'est vrai que quand j'ai vu les gens faire ça, ça m'a vraiment donné envie, j'admirais trop les youtubeuses et tout. Et je sais pas, j'avais envie de monter un projet, j'avais envie de faire quelque chose de ma vie. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé à prendre sur moi, à gagner confiance en moi. Ça m'a beaucoup aidé à mûrir aussi. Puis enfin, je trouve ça tellement épanouissant d'avoir une chaîne YouTube que enfin, je regrette absolument pas. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Bon, prochaine question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Alors, ouais, c'est... Ça avait l'air marrant, je sais pas, moi, ouais... Ouais non, on va prendre une autre question en fait. C'est plus, c'est quoi? Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous! Hop, bah ça c'est fait. Bon, bah j'ai le temps d'en faire une autre. Allez! Bon voilà, cette fois c'est vraiment la vraie fin de cette vidéo. Donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu et que le petit expectation versus reality que j'ai fait vous a plu parce que ça doit être presque un des premiers que j'ai fait sur ma chaîne et je voulais vraiment en faire un en rapport avec YouTube parce que c'est vrai que c'est pas forcément toujours tout rose et c'est pas forcément toujours ce qu'on croit que c'est, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce et un commentaire. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.